Bonsoir à tous. Donc bonsoir, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, enfin quand elle sortira, ce sera le matin. Donc c'est pour la vidéo des réponses à la FAQ. Donc vous avez été quand même assez nombreux à me poser des questions dans le post de mes communautés, donc merci à vous. Et c'est vrai que je vais plus interagir avec vous par ce biais là, parce que je trouve qu'un post est plus facile qu'une vidéo. Donc c'est parti. Excusez-moi. Alors, je prends les questions dans l'ordre, hein. Donc si je vois une question que j'ai déjà répondu, j'y répondrai pas, et si j'ai oublié, j'y répondrai peut-être deux fois. Quel est ton cheval préféré dans le jeu? Alors, avant la sortie des Quarters, c'était le Connemara Akalteke Andalou, et bah je sais plus, enfin genre ces trois-là. Et bah maintenant, c'est plus eux, c'est le Quarter. Parce que je trouve que ce cheval est très réaliste, et il est au-delà de mes attentes. Quelle est ta race préférée sur le jeu? Bah si je dois en choisir une, à nouveau je choisis les quarters. Et si je dois sélectionner un quarter, bah c'est celui-ci, c'est Night Dancer, donc danseur de la nuit. Tu joues à ça depuis quand? Depuis mi-décembre 2018. Quel est ton jeu vidéo préféré? Je mettrai Animal Crossing New Horizon. Et après je placerai Star Stable. Bon bien sûr je place aussi du Zelda et tout, mais j'ai pas vraiment de jeu plus ou moins préféré. Fais-tu de l'équitation? Oui, j'ai mon galop 7, je sors en concours de CSO et un petit peu en dressage. Joues-tu à d'autres jeux d'équitation? Non, parce que j'aime pas en fait. À part CSO, je suis pas très fan des jeux d'équitation, parce que je trouve que les rendus en jeu dans l'équitation sont rendus genre cucu. Genre, le cheval de Franklin s'est sauvé, rattrape-le, et t'avances au pas à 2 à l'heure. Quel abonnement Star as-tu? Je suis Star à vie. Quel est ton cheval préféré parmi ceux que tu as? Si je veux avoir vraiment un gros chouchou, ce serait Silent Hill, mon Akalteke Palomino. Sinon, c'est lui là, ce petit bestiau. Ta coiffure préférée, cheval sur le jeu? Les tresses du quarter, du coup. Ton ensemble préféré? J'en ai pas du tout. T'as quel âge? Je répondrai pas. Tu ne regrettes pas d'avoir dissous les Naughty Horse? Alors, absolument pas. Parce que quand j'ai ouvert les Naughty Horse, moi j'étais pas prête à gérer un club. Ça a pas marché, je proposais pas d'activité, j'arrivais pas à recruter ni quoi que ce soit. Donc non, aucun regret. As-tu des chevaux que tu regrettes d'avoir achetés? Oui, alors vous allez me détester, mais je les ai revendus. Comment va François? François va très bien. François c'est mon tinker. Quel est le PNJ qui te pourrait sortir en amour dans le jeu? Josh. Quel est le PNJ qui t'aime par-dessus tout? Les dames des championnats, Tan, bah tous ceux qui sont moches en fait, enfin moches, compas de refonte. Mais sinon, enfin j'en sais trop rien, qui devrait m'énerver. Ouais non, en fait ceux qui nous font faire des allers-retours dans tous les sens et qui posent trop de questions. Tu préfères le ranch ou le vignoble? Le ranch. Quand as-tu rencontré Julie? Alors Julie, on s'est rencontré via le biais des lives de Michipote. Et ensuite, on a commencé à vraiment se parler quand je suis rentrée chez les Golden. Mais je n'y suis plus. Quel est ton cheval préféré dans ton écurie? Je l'ai déjà dit. Combien as-tu de chevaux? On les avait comptés en plus avec Julie. Mais genre là, je pense j'en ai presque 30. Quel est le nom donné à un de tes chevaux que tu préfères? Night Dancer. Quel galop as-tu? Je suis pas sûre, j'ai le 7. Quel mise à l'ordre de SSO as-tu le plus aimé? Le ranch et les quarters, du coup. Mais j'aime bien aussi les quêtes. J'ai bien aimé la mise à l'ordre du soul riding. Donc ouais, j'ai répondu. À quels chevaux je regrette d'avoir acheté? Oui, lesquels? Bah je les ai plus, voilà, ils m'ont pas marqué l'esprit. Du coup j'en sais rien, je me souviens pas. Quelle note as-tu sur SSO? 8 sur 10. Pourquoi? Parce que 8 sur 10, parce que c'est très beau, mais par exemple les refontes, bah je comprends pas toujours leur principe. Ils nous sortent des trucs, genre le ranch ils nous ont fait une refonte et tout. Et après ils nous sortent quoi? Genre ils nous mettent Marie qui a pas de refonte, donc moins 1. Et bah voilà, parce qu'on peut être disons 8 sur 10. Alors, qui parle-tu en tous ces choux de l'écurie? Silent Hill, du coup, mais lui aussi, la Night Dancer. Quelle ta race préférée? Ça c'est dans le jeu. As-tu des obligations dans ton club? Quelle race préférée? J'ai déjà répondu. As-tu des obligations dans ton club? Oui, avoir Discord. Voilà. Pourquoi ce pseudo? Parce que du coup, je me mets au multi-gaming, si je suis encore majoritaire du SSO, et j'adore la marque de vêtements et de chaussures Timberland. Quelle est ta race préférée des sauts dans la vraie vie? Du coup, j'aime tout ce qui est chevaux et poneys de sport. Tu joues à ça depuis quand? J'ai déjà répondu. Tu as déjà été en combien de clubs? Vraiment? Allez, un. Les Golden et là, du coup, le mien.
As-tu une checklist de chevaux? Non, du tout. Alors moi, j'achète quand j'ai envie, quoi. Je me pose pas 30 000 questions, je suis pas le genre de personne qui va faire une wishlist, en fait. Quel est ton emploi dans tout Jorvik? Le Rancho Starshine? Quel est ton avis sur le Trackner? Alors le Trackner, c'est un cheval que physiquement je trouve très beau en jeu. Mais les allures, même s'ils les ont refaits, j'aime pas du tout. Sauf le galop moyen, petit galop, grand galop encore, mais sinon j'aime pas. Genre le trot, bah je sais pas. On dirait que le cheval il est boiteux des quatre membres. Alors, quel est ton cheval et roi préféré sur SO et RL? Alors sur SSO, bah c'est lui et Silent Hill, je peux pas départager, pas du tout. Et ma roi préférée sur SSO, c'est le noir. C'est une question en vrai, oui. Moi j'attends que la vidéo sorte, mais elle va sortir demain matin. Enfin demain matin, du coup aujourd'hui matin, enfin genre là je tourne, il est 21h39, après il faut que j'aille faire du e-sport. Tu préfères Marley, Carnet, Barney ou Courtenay? Alors Courtenay c'est mon oncle, Barney c'est ma soeur, Carnet c'est ma mère et Marley c'est mon père. Donc je sais pas, c'est ma famille, donc je peux pas te dire. Je sais pas trop. Alors je sais pas trop quelle question de cheval, mais est-ce que tu comptes faire une histoire avec ce nouveau cheval du Orange Biz? Alors oui, c'est prévu, mais je ne vous en dis pas plus sur ce qui vous attend, parce que je ne veux pas vous spoiler, je vous garde la surprise. Mais ouais, voilà, restez connectés, activez bien la cloche et tout, parce que quand ça va sortir et ça... on va faire en sorte que ça envoie quand même quelque chose, voilà. Mais oui, il y aura des roleplays avec les quarters, dont celui-là, qui... Allez, un petit spoil. Ce sera mon gros cheval de compétition, celui-là, au plus haut niveau de l'équitation western. Comptes-tu faire des vidéos de toi en concours ou de ton club en train de filmer tes cours, etc. en IRL? Alors, pas du tout. Mais vraiment pas. Des fois, je mets une petite photo sur Instagram, mon Instagram SSO, parce que je ne donne pas mon Instagram perso. Mais elle reste généralement pas très longtemps, juste quelques heures, et après je la supprime, parce que je tiens absolument à garder une distance. Je vous aime bien, mais c'est important que j'ai une distance entre YouTube et ma vie privée, c'est-à-dire que je ne veux pas en dévoiler un maximum. Je ne souhaite pas en dévoiler un maximum. Il y en a qui adorent dévoiler leur vie, qui disent qu'ils mangent des pommes, qui sont torchés le cul avec du PQ Lotus, je ne sais pas, pardon pour l'expression, hein. Mais voilà, moi c'est pas du tout comme ça. Et admettons, imaginez, vous reconnaissez mon club parce que vous habitez dans la même ville ou une ville alentour. Ça fait quoi? C'est-à-dire que si vous êtes abonné à moi et que vous m'aimez bien, vous allez voir me rencontrer. Mais si vous avez des abonnés à vous qui me suivent aussi, enfin des amis à vous qui sont abonnés à moi et qui me suivent, ça va se transmettre, ça va se savoir, etc. Et d'un coup, je vais arriver à mon club. Ah, coucou Damerland! Ah, bah non, en fait. Je tiens pas à ça et même j'estime que... En cours, ce que dit ma prof en cours, par exemple, elle ne tient pas à ce que sa voix soit divulguée sur les réseaux sociaux. Et je comprends parfaitement, c'est juste le droit à l'image. Du coup, non, il n'y aura jamais de ça. Vous aurez juste des fois des photos sur mon Instagram. Et voilà, sur mon Instagram, Mathilda Octai, mais pas le Timberland. Okay, Timberland, ça va être un petit peu de tout. Mais je ne pose pas beaucoup dessus. Donc voilà, non, vous n'aurez jamais ce genre de choses en vidéo. Parce que déjà, c'est un YouTube gaming. Donc... L'équitation IRL, bah c'est pas méchant, mais ça n'a rien à faire sur ma chaîne YouTube. Parce qu'à un moment, j'ai eu une chaîne YouTube avec ma meilleure amie, du coup. Et on a très vite arrêté parce qu'au final, on n'avait pas envie de tout dévoiler comme ça. On n'était pas toujours très à l'aise. Et puis, en fait, j'en voyais pas l'intérêt. Pas du tout. Genre, c'est bien, c'est mignon, mais... ouais, à moins d'être un gros YouTuber équestre... connu et tout, ça ne fonctionne pas, c'est très dur de percer. Déjà dans le gaming, c'est compliqué. Alors je vais pas en plus me rajouter certaines choses. Puis ça veut dire que si vous me voyez monter, bah j'ai des défauts à cheval comme tout le monde, mais c'est pour être critiqué, rabâché, etc. Malheureusement parce que dans la communauté, il n'y a pas que des gens qui m'aiment bien, même dans mes abonnés, hein, je pense qu'il y a des gens qui sont abonnés juste pour mettre un dislike quand une vidéo sorte. Faut se l'avouer, hein. Donc non du tout, j'ai pas envie que ça porte de jugement. Ou si je mettais l'équipement, oh là là, t'es pleine de fric, ou je ne sais quoi, ou oh, c'est moche, je ne trouve pas ça pertinent. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, je n'en vois plus. Donc c'est quand même assez rapide, hein, mais je voulais pas non plus avoir 250 questions. Mais de toute façon, quand ça augmentera encore d'abonnés, je reproposerai une vidéo FAQ. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo de foire aux questions vous a plu, que vous en connaissez un petit peu plus sur moi dans Star Stable et un peu dans la vraie vie par rapport aux jeux vidéo. Mais pour ce qui est du reste, je n'en parlerai pas. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. J'ai failli dire bonne soirée parce que bah il fait nuit. Mais non, donc c'est une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !